Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce mercredi? Moi je vais très bien. Je vais très bien. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'en suis désolée. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire les cadeaux de Noël, préparer le sapin, les décorations. Donc j'ai pas eu une minute et je vais essayer de me rattraper. Donc aujourd'hui, ça sera un petit haul action et j'irai faire des courses aussi à Lidl et je vous ferai un retour de course tout à l'heure que vous aurez demain normalement. Alors je suis encore en pyjama, voilà. Ce matin, j'ai commencé à faire mon repas pour moi ce soir. Donc j'ai fait de la purée de carottes, pommes de terre, chou-fleur. Avec des morceaux de poulet, car hier soir j'ai fait du poulet et il me reste un petit morceau de blanc, donc j'ai décortiqué et je vais prendre ça ce soir. Le temps aujourd'hui, moche, il a plu quelques gouttes. Là, le ciel commence à être bleu, mais c'est fort humide. C'est pas tellement froid, mais il faut un peu de chauffage quand même dans la maison. Donc on avait allumé la cheminée, là on la laisse un petit peu éteindre parce que là il fait beau, bon. Et j'ai mis mon linge, bon j'ai pas grand-chose, hein, c'est mes tapis de salle de bain. Voilà, ça se voit on est qu'à trois maintenant, donc j'ai moins de linge à laver. J'ai fait tout mon ménage. De toute façon, vous voyez, j'ai mis mes chaises sur la table. Là, j'ai préparé les trois courses que j'avais achetées hier. Et puis là, c'est mon linge que j'ai repassé. Hein. Donc, j'étais à ranger. J'ai pris ma semoule de couscous pour moi. Oh, je m'en vais ailleurs, moi. Pour moi, dimanche. Et j'ai pris des tablettes de lave-vaisselle Fairy. Voilà. J'ai plus qu'à remettre mes chaises là hein, parce que tout est sec. Et puis, voilà, j'ai tout fait. J'ai encore une machine qui est en train de tourner et après j'ai des chaussettes de Noël à laver vraiment à basse température hein, parce que nous on met les grosses chaussettes de Noël, voilà des grosses chaussettes le soir dans la maison, dans le soir, même la journée hein, quand on sort pas ou sinon on met des pantoufles, hein, voilà les pantoufles bien chaudes. Le soleil tape un peu, vous me voyez un petit peu. Fort clair, voilà. Vous avez vu, j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait ma couleur. Donc là, ils sont un peu sales, hein, voilà. Comme j'ai fait le ménage ce matin, voilà, j'irai prendre ma douche après. J'ai mis des nouvelles lunettes. J'irai prendre ma douche après. Et puis, je vais partir chez Lidl, car j'ai quelques courses à faire. Je n'ai plus de lait. Il me reste vraiment ça. Moi je prends pas de lait hein, de toute façon quand je bois mon café c'est café noir ou expresso hein, vous le savez. Mon mari par contre c'est du lait, donc je vais chercher du lait et puis même pour faire des crêpes tout ça bah, il nous faut du lait. Et puis des fois l'après-midi j'aime bien boire un petit chocolat chaud, voilà. Donc j'ai été chez Action et je vais y retourner peut-être aujourd'hui parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Dans l'action que j'ai été, donc je vais y aller dans un autre action et je verrai si je le trouve. Ensuite, j'ai dit à mon mari, il faut vraiment qu'on finalise les cadeaux de Noël parce que là, on est encore en manque. On a du mal à trouver, ça part tellement vite, même chez Action, il y a beaucoup de décorations de Noël qui partent assez vite. Je voulais des décorations, vous savez, les stickers pour mettre sur les fenêtres. J'ai du mal à trouver, donc je vais essayer de faire plusieurs actions ou sinon j'irai chez Auchan bon, je verrai bien. Donc je vais vous faire montrer ce que j'ai pris chez Action. Le ticket, je ne sais pas où je l'ai mis. Désolée pour les prix. Mais de toute façon, c'est des petits prix à chaque fois. C'est une nouveauté. Alors j'ai pris un masque pour les pieds. Alors ils sont trop choux, hein. La vitamine E, voilà, donc ça se présente comme ça hein. Donc j'ai pris comme ça,
Et j'ai pris un rose. Voilà, je vais me faire un petit masque de pluie. J'adore ça. J'aime bien. Comme les masques pour les mains, le visage. De toute façon, j'en ai une caisse complète. Ensuite, j'ai trouvé cette petite tablette. C'est en forme de tablette de chocolat, mais c'est une tablette de bain. Donc, vous mettez deux petits carrés dans votre bain et il n'y a pas de. C'est pas écrit la senteur, mais ça sent bon. Je le sens à travers. Ça sent bon. Ça fait 150 grammes. Je n'ai pas payé cher. Hein. Je crois que c'est 1,50 € ou un petit truc comme ça. Ensuite, j'ai trouvé cette petite guirlande. Des petites maisons, des petites maisonnettes. Donc ça, c'est pour mettre à la cheminée autour des chaussettes. Voilà. Alors on n'a pas encore fait la décoration, hein. On a tout descendu. Le sapin est monté, mais il n'est pas décoré parce que on le fait avec les enfants. Donc ils vont venir demain soir, comme moi je suis pas là ce soir. Donc demain soir, le sapin sera finalisé, terminé. Décoré avec les enfants. Ah oui, parce que nous, c'est la tradition, c'est comme ça. Je fais le sapin, même qu'ils ne vivent plus à la maison, hein, il faut qu'ils viennent faire le sapin. Ensuite, j'ai trouvé des petits gloss. Alors, Choupa Choups. Alors, j'en avais déjà acheté il y a un bon moment, mais ce n'est pas les mêmes parfums. Ça, c'était 2,49 € je crois. Donc, j'ai trouvé ça mignon et. J'en ai pas mal des Chupa Chups. Donc je le mettrai avec ma petite collection. J'ai trouvé des beauty, là. Je sais pas comment ça s'appelle ça déjà. Je ne sais plus. Bon, des éponges à maquillage. Pourtant, je le sais comment ça s'appelle, mais à chaque fois, j'ai du mal à le dire. Des beauty blender? Non, n'importe quoi. Bref, bon, j'ai trouvé ça de chez Max & More. Alors, vous en avez 5. Voilà, vous en avez 5. Il y a plusieurs formats. Je ne sais plus combien non plus, dans les 2 euros et quelque chose. J'ai trouvé une palette de maquillage, encore, oui. Bliss. Donc, celle-là, je ne l'ai pas. C'est Fab Factory. Donc, elle se présente comme ça. J'espère que vous voyez bien les couleurs, voilà comme ça. Le gris, là, j'aime bien paillettes. Le violet, j'aime bien aussi. Le bleu, enfin, allez, le vert. J'aime toutes les couleurs. Donc, j'ai pris celle-ci. J'ai trouvé des petits gâteaux en forme de sapin. Donc, je vais goûter. Je n'ai jamais acheté. C'est cookies de chocolat. Vous en avez 8 dedans avec des petites. Perles de sucre autour, donc à goûter. Je vous ai dit des petites perles de sucre, mais si je m'en vais là-bas, vous voyez pas, hein, n'importe quoi ici. Voilà, donc j'ai pris ça à goûter. J'ai repris des éponges. Alors, le packaging a changé, vous savez, d'habitude c'est vert et là c'est rouge. Donc, j'ai repris des éponges ensuite. Ah bah il est là le ticket. Alors les sapins de Noël, les biscuits, c'est 1,49 €. Les éponges, 99 centimes. Les trucs comme ça là, 2,22 €. Les baumes Choupa Choups, 2,95 €. Ah oui quand même. Je pensais que c'était 2,49 €. Bon, tant pis. Hein. Ça, je ne l'ai pas encore dit. La guirlande, c'était 3,99 €. La guirlande avec les petites maisons là. Ensuite, ça, je ne l'ai pas encore dit. Ça, non plus. La palette de maquillage, 3,99 €. Ah oui, elle est vraiment pas chère. Hein. Et voilà, j'ai pas encore dit les autres trucs. Donc j'ai pris des bols. Je les ai trouvées trop mignonnes, les bols. Elles sont assez grandes.
On ne sait pas combien elle mesure, ce n'est pas écrit. Mais j'ai adoré ces bols couleurs comme ça. Il y avait trois couleurs. Il y avait bleu foncé, bleu clair et un vert clair aussi. Donc j'en ai pris quatre. Oui, j'en ai pris quatre. De toute façon, c'était les quatre derniers en bleu foncé comme ça. Voilà, j'en ai pris quatre. Mais si j'en retrouve, il m'en faut encore deux, même trois. Parce que des fois, on a six et des fois, on a sept. Donc, si un jour je dois faire des nouilles avec les crevettes dedans ou la soupe, voilà, on sera. Donc, les bols, c'était 2,44 €. C'était la promotion de la semaine. Ensuite, je me suis pris un anti-cerne de chez Max & More. Alors, l'anti-cerne, j'ai pris la couleur quoi? Je ne sais pas. La couleur. Un petit beige, mais il n'y a pas de numéro de couleur. Alors l'anti-cerne 1,29 €. Donc c'est pas cher, hein. Des sacs poubelles. Alors moi je prends des 60 litres. Normalement c'est 50 litres ma poubelle, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris des 60 litres. Alors, les sacs poubelles, 1,79 €. Et dedans, j'en ai 15. Ensuite, j'ai pris des huiles essentielles au Yang Yang. J'ai pris à la lavande. Alors, c'est marqué calme, le Yang Yang. Calme. Bah, le lavande, c'est relaxant. Et j'ai pris à l'eucalyptus. Voilà. Les huiles, c'était 1,29 €. Et là, c'est marqué énergie. Eucalyptus et énergie. Ah bon, je ne savais pas. Ensuite, j'ai trouvé des petites nouveautés encore. Des billes de chocolat. Tiramisu. Crunch tiramisu. Alors, des croquants enrobés de chocolat au lait au goût cappuccino. Donc, c'est marqué tiramisu, mais c'est au goût cappuccino. Donc, ça, c'est pareil, ça sera à boire avec le café, avec les enfants. Et là, j'ai trouvé aussi des noix de cajou enrobées de chocolat. Voilà, chocolat au lait, hein, surtout, hein. Donc ça pèse 150 grammes et cela aussi 150 grammes. Donc les chocolats, c'était 1,79 €. Les deux paquets, hein, chaque paquet 1,79 €. Et puis le sac que j'ai acheté, ça fait au moins le 15e que j'ai. À chaque fois, j'oublie un sac. Donc voilà pour Action. Les prix pour les masques, je sais pas si je vous l'ai dit ça. Je crois que c'est 99 centimes. Oui, c'est ça. Ou 79 centimes. Bah, en fait, c'est même pas dans mon ticket là. J'ai dû les prendre avec un autre. Ouais, c'est pas écrit. Bon, c'est soit 79 centimes ou 99 centimes, je ne sais plus. Voilà pour mon haul Action. Ensuite, j'avais été chez Auchan parce que les tablettes de la vaisselle étaient en promotion. Vous savez, moi je prends les Fairy, je vais vous le faire montrer. Vous avez préparé sur la table. Voilà. Alors, c'était 5,20 € le paquet de Fairy tout en un. Moi j'ai pris avec parfum citron et dedans j'en ai 36. Donc j'ai pris deux paquets, hein. Il y en a un qui est à côté du lave-vaisselle. Donc ça sera à mettre dans l'armoire de réserve. J'ai pris de la semoule de couscous et un paquet de biscuits Saint-Michel. Voilà. J'ai pris que ça parce que dimanche, je fais du couscous. Donc c'est en promotion et je l'ai pris. J'ai pris que ça. Ah non, puis j'ai pris les coquilles Saint-Jacques fraîches. C'était 3 kilos pour 16 euros. Du coup, on les a achetées. Mon mari les a préparées. Et en tout, on en a 18. Mais elles sont comme ça. Elles sont super grosses. Donc, soit que j'en mettrai une en faisant une cassolette. Ou je ferai des petits morceaux et je ferai des coquilles.
Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Là, bah, vous savez très bien qu'il y a tous les cadeaux encore de Noël. Là, c'est un cadeau là, mais on l'a mis en plastique. Mathieu y a beau. Je vous reprends. Je vous reprends. Mathieu a voulu sortir. Il y a une dame qui promène son chien. Donc Mathieu l'a entendu. Donc il a aboyé. Il voulait sortir. Donc voilà. Alors je vous disais. Ici, là, en fait, c'est un cadeau pour ma dernière fille. Donc, on l'a mis comme ça, hein, mais ça va pas rester comme ça. On va le mettre dans un beau petit carton que je vais récupérer ce soir à l'hôpital. Et on va bien faire un petit paquet cadeau quand même, hein. Donc, on l'a mis comme ça pour pas qu'elle le voie parce que le sachet est transparent. Donc, on n'a pas voulu l'emballer avec du papier cadeau. Donc, on l'a enrobé comme ça avec du cellophane noir. Voilà. Ensuite, ici, c'est le bordel, hein. Ne faites pas trop attention. C'est vraiment le bordel. Il y a tous les calendriers de l'Avent. Il y a ma plante. Enfin, il y a plein de petites choses. Là-bas, c'est. Là-bas, là-bas, là-bas. Ici, oui. C'est des boules de Noël couleur verte qu'on va mettre et du coup ben, je vais tout préparer demain. Donc tout ça sera avec la décoration de Noël que je vais installer, hein. Donc c'est un peu le foutoir. J'ai encore mes chaises sur la table parce que j'ai fait le ménage ce matin. Je suis encore en pyjama. Là je vais aller me doucher, je vais me préparer parce que on doit partir chez Lidl et Intermarché. Et j'ai plus qu'à remettre mes chaises en place avec mes housses de chaise, voilà. Et puis j'ai une machine qui est en route. Et après je devrais laver les chaussettes de Noël parce que vous savez les grosses chaussettes là, bien chaudes. Donc nous le soir on met ça. Donc bah, faut les laver. Hein. Et moi j'en ai vu une belle paire à chez Action blanche. Je crois que je vais aller me les prendre. Et il me fallait encore quelques trucs de Noël que j'avais repérés en promotion. Mais quand j'étais chez le Action, pas loin de chez moi, il n'y en avait pas. Donc j'irai chez un autre Action. Et je devais aller où aussi? Je crois que ben, ça sera tout. Parce que quand je pars à l'hôpital, ça passe tellement vite la journée. Donc j'aurai pas le temps. Je ne sais pas si je vous ai dit ce que je prenais ce soir à manger. Je vais vous le redire. C'est de la purée de carottes que j'ai préparée avec des pommes de terre et trois morceaux de chou-fleur. Voilà. Je vais tout écraser tout ça en forme de purée avec du poulet. Voilà. J'ai émincé le poulet. Je crois que je vous l'ai dit. Hein. Je me répète. Et puis voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Les cadeaux de Noël, il faut que je m'active. Parce que bah, je n'ai pas trouvé ce que je voulais pour les enfants. Et moi, je n'ai pas encore fait ma liste. Les enfants me demandent la liste. Mais je ne sais vraiment pas ce que je veux. Je n'ai pas d'idée. Si peut-être bon, mes capsules de thé, ça c'est obligé. Et j'en sais rien en fait. Peut-être du parfum aussi, mais j'en ai encore pas mal. Donc je dis à mon mari, j'ai envie de finir les bouteilles de parfum pour après en racheter. Ah oui, j'ai une petite idée. J'aimerais bien avoir un service d'assiettes, tout ça. Parce que moi, c'est mes assiettes sont assez vieilles déjà. Oui, peut-être. Je vais marquer sur ma liste de Noël. Alors hier, j'ai imprimé. Vous savez, j'étais sur Google et puis cher Père Noël, voilà, avec un dessin autour et j'écrirai. Ah oui, on est des vrais gamins, hein. On fait des petites choses comme ça. Les enfants se prennent pas la tête, ils envoient par Snap, eux avec les photos, ce qu'ils veulent. Donc après, ça nous cherchait, quoi. Mais des fois, ben, quand. En fait, ce qu'ils veulent, c'est. Ils voient sur Internet, sur les sites Internet, et moi quand j'y vais, ben, c'est en rupture de stock. Donc,
soit que je clique pour avoir la notification s'ils en remettent, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour leur offrir des cadeaux. Bon, je vais trouver, hein, mais c'est compliqué. Vincent veut une Soda Stream. C'est ça qu'on dit, hein? Oui, Soda Stream. Donc, ça, c'est ma fille qui lui prend. Donc, à chaque fois, ils changent leur liste. J'ai dit, arrêtez un petit peu parce que ben, ils ont quand même un budget de. Enfin, on a dit on mettait 100 euros pour chaque enfant. Mais je pense qu'on va dépasser un petit chouïa. Bon, c'est pas bien grave. C'est ce que je dis. Si on peut leur faire plaisir, on le fait. Si on peut pas, on fait avec les moyens qu'on a. Et puis, ça sera très très bien. Et puis, voilà. Mon mari est parti au concessionnaire de voiture parce que bah, ma voiture, je vous avais dit, elle est en panne. Hein. Et du coup, bah, je pense qu'elle est foutue. Ou sinon, je dois faire des réparations, mais qui va me coûter bonbon. Alors pour l'instant, je suis en galère de voiture, donc il est parti demander s'ils peuvent nous prêter une voiture. Franchement, c'est vraiment agaçant. Ou sinon, ben, on va en acheter une et puis on n'aura pas le choix, hein, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, il va pas tarder. J'entends Mathieu encore aboyer. Je ne sais pas si la dame est encore devant à faire exprès avec son chien pour que Mathieu aboie. Alors, à chaque fois, je sors, je vais à ma boîte aux lettres et au moment-là, elle s'en va. Ça m'agace vraiment parce que, après, ils ont le droit de promener leur chien, c'est pas le problème. Mais dans ces cas-là, bah, arrêtez de vous arrêter devant mon portail. Hein, je dis vous arrêtez, mais je parle pas à vous, hein, mais je dis voilà, jusque tant que vraiment là je vais me fâcher quoi. Parce que c'est vraiment agaçant hein, qu'ils aboient comme ça, et après bah, il y a des autres chiens qui aboient, et après bah, c'est pas agréable. Donc après, Mathieu aussi, ils sont là, mais si je le rentre, il se met à la fenêtre, et vous avez entendu, il aboie comme un fou. Hein. Donc voilà. Donc, ben, je vais aller me préparer, je vais me faire une petite passe correcte. Hein, voilà, pas grand-chose, hein, parce que prendre la douche, un petit peu de mascara, un petit peu de rouge à lèvres et de blush, et puis ça sera très bien pour pas sortir. Parce que moi, c'est rare, enfin, c'est rare, oui, c'est très très rare que je sors sans maquillage. Voilà, c'est vraiment. Faut pas qu'on a l'air un peu triste hein, quand même, hein, donc. Voilà. C'est parce que j'ai des courses à faire. Sinon, j'aurais pas sorti. Quoique, j'aurais peut-être allé chez Action quand même. Mon mari me dit encore? Bah oui, mais je trouve pas ce que je veux. Donc après, il n'y en a plus. Si on prend pas tout de suite, il n'y en a plus. Donc là, je vous avais pas dit le total. En fait, j'en ai eu pour 37,91 euros. De toute façon, moi, c'est ça. Hein. C'est entre 25 et 50 euros que je dépense. Et encore, je m'arrête là parce que sinon, Action, il me faut encore pas mal de choses. J'aimerais acheter un panier pour la salle de bain. Il me faut une poubelle de salle de bain. Il me faut un petit panier pour installer mes tranches de pain, enfin le pain pour Noël. Donc tout ça, à chaque fois il me faut des petites choses. Voilà. Donc je vais aller faire mes petites courses où j'ai mis ma liste. Elle est là. Donc il me faut pas grand-chose, hein. J'ai noté, mais il me faut pas grand-chose. Hein. Il me faut du concentré de tomate, du papier cucu, du lait, de la farine, du beurre, du sucre en poudre et du sucre en morceaux, de la levure fraîche pour faire mon pain. Du please pour faire mes meubles, voilà, parce que moi je mets du please sur mon bahut et voilà quoi, ma salle à manger, on va dire. Je vais prendre des tomates avec de la burrata parce que mon mari et ma fille adorent ça, donc je vais peut-être
faire ça, enfin, ils feront peut-être ça ce soir avec la soupe, je sais pas. Du chorizo, de l'huile d'olive, de l'eau, du sirop, boisson. Alors, boisson, c'est-à-dire que je prends du jus d'orange, de la limonade, du Coca-Cola. Enfin, voilà, je prends quelques boissons. Des goûters, voilà, pour Julie. Alors, je prends des peaches, des petits gâteaux qu'elle adore, qu'elle aime pour le travail. Des yaourts nature, du sucre candi et j'ai oublié de prendre le calendrier de l'Avent de Vincent. Mais en fait, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je me suis dit, il vit plus à la maison, donc je lui en achète pas. Et hier, il m'a dit, pourquoi j'ai pas de calendrier? Mais je dis, pourquoi tu vas pas l'acheter? Tu vis plus à la maison. Donc mon mari dit, oui, c'est vrai que tu aurais pu lui acheter. Donc il sera en retard de 7-8 jours. Voilà. Donc bah, il les ouvrira et il fait ce qu'il veut. Donc je lui ai demandé lequel il voulait. Il m'a dit n'importe. J'ai dit bonbon ou chocolat. Il m'a dit chocolat. Donc je vais lui prendre un calendrier de l'Avent. Et bah nous, on a déjà ouvert, hein, bien sûr, depuis le 1er décembre. Et j'ai tout mis dans une boîte et je vous ferai montrer tout ce que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, de chez Max & More, de chez Spa et de mes boules de bain. Et celui de Mathieu aussi, hein, il adore, hein. C'est trop marrant. Le matin, je lui dis, ah, regarde ton calendrier. Et il est tout content, voilà. Donc, c'est des petits sachets avec des petites gourmandises. Donc, je ne lui donne pas tout. Hein. Le petit sachet, je lui fais la journée avec. Donc, voilà. Et puis, par contre, je ne sais pas si je vais les laisser sur l'armoire. Parce que, comme il y aura la décoration de Noël, je pense que je vais les mettre ici sur le bar, à côté, juste à côté ici. Voilà. J'ai. Du linge que j'ai repassé, que je dois ranger. Et puis, ça sera bon. Voilà. Et puis là, on va aller se prendre la douche et on va aller faire les petites courses. Donc, dites-moi, vous, si vous avez fini vos cadeaux de Noël, ce que vous prenez pour vos enfants. Et puis, je réfléchis aussi pour faire le menu de Noël. Je ne sais pas, on en reparlera. Je vous en reparlerai dans un autre vlog. Le soleil sort, donc je vais en profiter pour aller faire les courses. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, une bonne après-midi, voilà, une bonne après-midi. J'espère que vous allez profiter de ce temps qui a un petit peu de soleil avec le ciel bleu. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Je sais pas si je vais vous dire à demain. Parce que si je vous dis à demain et que je ne fais pas de vidéo, vous allez me crier dessus, hein. Donc, je vous dis à très bientôt pour bah, normalement le retour de course, je vous ferai, hein. Voilà. Et puis, je vous posterai ça. Et je vais aller faire mes ongles aussi. Parce que là, ça va être le moment de les faire. Donc je vais faire ça. Alors je vous dis bon après-midi et j'ai mon expresso qui commence à me remonter un petit peu. Hein. Voilà. Je vous dis à très bientôt, une bonne après-midi. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Voilà, à très bientôt.